Bienvenue sur Just In Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Benoît. Salut Justine. Tu vas bien? Oui, très bien, je te remercie. Ben, merci à toi surtout d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Just In Tuned. Je suis ravie de te recevoir. Merci à toi, tout d'abord. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je peux me présenter, absolument. Mmh. Je m'appelle Benoît Joubert. J'exerce dans l'industrie du spectacle vivant, donc autrement dit du live. Mmh. Je suis agent, et du coup représente quelques artistes mmh. au sein du catalogue et de la société Allo Floride Live. Yes, c'est bien trop cool. Et je suis d'autant plus contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, c'est que tu es un auditeur du podcast et oui. on enregistre aujourd'hui parce que tu m'as contacté et voilà, merci déjà pour ce retour et en toute bienveillance et les compliments que tu as eu pour Just In Tuned, j'étais vraiment très contente, donc je suis ravie de t'avoir avec moi. Eh ben, c'est réciproque, écoute, le format mmh. est tout à fait intéressant, la façon dont tu mènes tes entretiens également, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais oui, non mais tout va bien se passer. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, de ce que tu as fait pour arriver aujourd'hui avec moi dans le podcast? Oui, bonne question. Mon parcours, c'est tout simplement un BTS Action Commerciale que j'ai obtenu en 2 ans. Ensuite, je suis parti en Angleterre. Okay. Pour améliorer ma langue, tout simplement, mm-hmm. et j'en ai profité pour valider une licence de langue anglaise, une licence européenne, okay. ce qui m'a permis essentiellement de vivre 1 an en Angleterre et de pouvoir échanger, d'améliorer mon écoute et mon parler, bien sûr. Mm-hmm. À la suite de quoi, je suis revenu et j'ai validé une licence en marketing événementiel, okay. Qui était une formation toute naissante. Et puis, c'est à l'issue de cette formation-là qu'il a eu un stage de 6 mois qui m'a lancé en fait dans ce domaine, puisque c'était un stage au sein du festival des Authentiques qui se passe okay. à Vienne. Très exactement 2 jours après mon arrivée au sein de ce stage, mon maître de stage à l'époque est tombé malade. Okay. Mais tombé malade non seulement pour quelques jours, puis quelques semaines, ça s'est transformé en fait en 6 mois et bien plus, je crois, pour lui de maladie. Okay. À ce moment-là. Donc, j'ai réalisé un stage avec le directeur sur lequel mmh. il m'a fallu faire un nombre de choses, être assez polyvalent en tout cas. Oui. Ce qui était chouette parce que ça m'a montré tout un panel d'éléments à mettre mmh. en place et de choses à faire autour d'un événement, musique okay. donc. Mmh. Donc voilà, j'ai été sur des missions de communication et de promotion essentiellement, mais mmh. pas que. D'accord. Voilà, ça c'était le premier pied dans le milieu. À la suite de ce stage, il y a eu pas mal d'expériences de bénévolat, quasi volontariat de ma part dans diverses salles de concert et autres événements. D'accord. Et c'est à la suite de ça où j'ai fait la connaissance évidemment de multiples personnes et notamment d'une personne qui à l'époque montait à sa société nommée Backstour, qui était une société de tournée d'artistes. Mmh. Ok. Qui m'a pris sous son épaule pour me former sur des missions très administratives à ce moment-là. D'accord. Et de fil en aiguille, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai su rédiger une fiche de paye, j'ai su payer des charges, j'ai su tenir une trésorerie. De fil en aiguille, j'ai fait de la régie générale, qui est un poste assez clé au sein des sociétés de production de spectacles. Mmh. Donc, production générale, etc., pour suivre l'organisation, le montage des tournées. Mmh. Et peu à peu, j'en suis arrivé à faire du booking pour les artistes qui me motivaient le plus. Et c'est là où vraiment j'ai mis un pied dans le métier d'agent, de booker, dit autrement. Ok, d'accord. Tu avais quel âge à peu près? 2006. Donc, mon âge, je ne sais plus, mais 2006. D'accord. Et on ne va pas calculer. Le calcul de tête n'est pas pour nous. Très bien. Non, écoute, mais 2006, je commençais cette expérience-là,
qui m'a mené à une autre structure que j'ai repris avec un fidèle acolyte à l'époque, une structure qui s'appelait Aimez-vous Brahms. D'accord. Sur lequel, pareil, on a défendu, soutenu, signé différents artistes, là, plutôt dans les musiques électroniques. D'accord. C'est une aventure qui était fabuleuse et qui a duré 4 à 5 ans, avec diverses personnes, qui s'est terminée avec une acolyte autre que celui avec lequel on avait repris la structure. À la suite de ça, j'ai rebondi sur Allo Floride avec quelques artistes qui étaient d'ores et déjà chez Aimez-vous Brahms, avec lesquels je suis arrivé chez Allo Floride. Ok, d'accord. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu es allé dans la musique et plus précisément le spectacle vivant? Qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce que tu avais déjà un background de musicien? Est-ce que tu avais toi-même fait la scène pour toi? Oui. Alors vas-y, déroule. Enfin, je pense que ça fait partie à un moment donné de l'histoire de tout le monde dans nos métiers, mm-hmm. où on a foulé les planchers d'une scène d'une manière ou d'une autre. Ok. En étant musicien ou autre, je sais pas, mais oui, pour ma part, il y a un moment donné où j'ai eu un groupe, on va dire, à partir de mon adolescence. Mm-hmm. Bien avant ça, j'ai été dans une école de musique parce que mes parents m'ont donné la chance de pouvoir avoir cet enseignement-là. Donc, vraiment très classique, hein, du solfège, et puis ensuite l'apprentissage d'un instrument qui a été la guitare. Mmh, ok. On va dire que ça a duré, je ne sais pas, de mes 10 à 16 ans. D'accord. Et puis, quand tu as 16 ans, tu as envie d'apprendre autre chose que du Bach, que du Mozart, que ce genre de choses. Mmh. Donc, c'est vrai que ça correspondait plus trop à ma philosophie de l'époque. J'ai arrêté cette école de musique, arrêté l'instrument totalement. Et okay. puis, c'est en redécouvrant d'autres artistes, non seulement grâce aux écoutes que faisaient mon père et puis mes copains, mm-hmm. que j'ai eu envie de reprendre la guitare, qu'un groupe, par la suite, s'est remonté avec lesquels on a eu de belles aventures tout de même, dans une esthétique rock. D'accord. Et voilà, c'est au travers des diverses choses à faire avec un groupe que tu apprends sur le tas. Mmh. Et puis, peu à peu, mon intérêt a vachement grandi, en fait, en faisant tout ce qu'il faut faire quand tu as envie de développer un groupe, ton groupe, mais de manière plus globale, un artiste. Mmh. Et pourquoi ne pas avoir mis toute cette envie pour ton propre groupe ? Parce que dans un groupe, il y a quelques données clés qu'il faut arriver à garder, en fait, et notamment arriver à garder un groupe soudé. D'accord. Non pas qu'on s'est quitté mauvais amis, pas du tout. C'est vraiment des copains très proches aujourd'hui. Mm-hmm. Néanmoins, il y avait aussi d'autres projets dans la tête des uns et des autres. Mm-hmm. Et ces projets-là ont prédominé à un moment donné pour chacun. Mm-hmm. Et donc, quand les personnes qui font partie d'un groupe donnent leur temps aussi à d'autres choses, t'as plus le même temps à consacrer à l'activité musique et donc du coup à ton groupe. Et c'est pas sur des bons rails pour essayer de développer une carrière, de la lancer et faire en sorte de se professionnaliser. Mm-hmm. Et donc toi, à la fin de ce groupe et en continuant tes études, tu avais en tête d'en faire ton métier, alors sans savoir vraiment si tu allais devenir agent ou non, mais en tout cas, tu avais en tête d'être dans la musique et d'être dans le milieu du live. Alors oui, je l'avais okay. vraiment en tête parce que ça a été un déclic assez clair pour moi à mon adolescence, mm-hmm. sur, je dirais presque l'un de mes premiers concerts à mon avis, okay. où ça a été d'une telle force à l'époque que tu te dis tout bêtement, il faut que je mette un pied là-dedans. Mmh. Okay. De quelle manière, tu ne sais pas. Comment, tu ne sais pas. Mais il le faut. À toi de t'en donner les moyens. Moi, dans le milieu dans lequel je vis, mes parents n'étaient pas du tout accoutumés à ce genre de choses. Ils n'avaient pas de connaissances ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu justement toutes ces expériences que je te racontais tout à l'heure, du bénévolat, du volontariat, connaître les gens, passer du temps dans des salles de concert, dans des événements, connaître des artistes, connaître l'entourage des artistes. Mmh. qui font que peu à peu, ça précise non seulement ton projet, mais tes envies mmh. professionnelles. Et pour répondre à ta question, tout ça, je l'ai mené en fait en parallèle du groupe dont on se parlait.
D'accord. Qui me servait en fait d'élément aussi pour aller de l'avant dans ces salles de concert, dans ces festivals. C'était presque un préjugé pour intégrer ce domaine-là. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que tu as, on va dire, commencé à constituer ton réseau de partenaires et de salles potentiellement ? Oui, sans le savoir à l'époque. Ok. Je ne savais pas que je me constituais un réseau, mais oui, ça en a été un. Mmh. Ok. Et est-ce que tu penses aujourd'hui utiliser cette même technique pour travailler ton réseau actuellement ? Plus totalement la même démarche. Aujourd'hui, à mon poste d'agent, représentant d'artiste, sur lequel il faut construire, modéliser, faire en sorte de créer des spectacles et des tournées qui font sens et qui soient cohérents. Mmh. Non seulement avec l'artiste, mais aussi de manière plus pragmatique. Le réseau se fait évidemment par les accointances, la manière plus ou moins proche que tu as d'aborder les gens, mais je dirais que c'est plus organisé, c'est plus souhaité en tout cas, notamment à ma place, d'avoir un réseau. Donc, tu le fais dans un sens où il faut que ça serve tes projets. Mais ça n'enlève en rien le plaisir de le faire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce métier d'agent ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Raconte-nous. En ce moment, l'activité est un peu réduite, mais... non, ensemble. Il y a quand même une activité. Oui, bah, écoute, je t'apprends rien. Il y a beaucoup de choses que l'on fait. Alors après, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment axé autour de... la représentation et de la vente des spectacles de nos artistes. Mmh. C'est vraiment la ligne directrice que l'on peut se fixer en tant que booker, en tant qu'agent. Mmh. Le métier et les missions démarrent bien en amont, c'est-à-dire vraiment repérer un artiste auquel on croit, arriver à saisir ce que lui veut apporter à travers son univers, mais ce que lui veut apporter aussi dans ce monde musical, et faire en sorte que tu sois l'un des maillons qui puisse magnifier ses œuvres, quelque part. D'accord. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire autour de ça, c'est-à-dire évidemment repérer, approcher l'artiste, saisir son univers, comme je viens de te le dire, mais aussi écrire une stratégie à court, moyen, long terme. Ok. Pour avoir une idée de ce qu'on peut se fixer comme objectif à atteindre, comme perspective, comment défendre l'artiste. Et ça s'axe autour notamment du propos artistique. Puis évidemment, après, tu l'as nommé tout à l'heure, le réseau, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir faire rayonner cet artiste-là, de pouvoir faire en sorte que le public, mais bien sûr, là aussi, les professionnels en parlent, de manière à rebondir toujours sur une donnée essentielle qui est faire connaître l'artiste au bon public, en fait. Mmh. J'allais dire à plus de monde, mais ce qui importe dès le départ, c'est le faire connaître au bon public. Et quand ton artiste a vraiment quelque chose de fort, une identité forte et un discours sur lequel un public va adhérer, ça rayonnera de fait auprès des bonnes personnes. Mmh. Et au quotidien, tu collabores directement avec l'artiste ou avec son manager, avec sa productrice, son producteur ? Qui est l'interlocuteur, interlocutrice directe ? Pour ma part, j'aime beaucoup être en relation quand même directe avec les artistes à un moment donné. Okay. Mmh. Je trouve que c'est très important non seulement de ne rien leur cacher, de tout savoir se dire. Moins on a d'intermédiaires, mieux c'est en fait. Les infos se diluent et du coup, mieux c'est. Maintenant, les intermédiaires sont quand même des éléments nécessaires autour de l'artiste. Mmh. Un manager, un éditeur, aussi bien qu'un booker, sont vraiment le noyau, le cercle qui va se constituer autour de l'artiste et permettre d'aller de l'avant. Donc mes interlocuteurs, c'est un peu tous ces gens-là avec lesquels on essaye de créer une vraie synergie, toujours dans le même but qui est de faire rayonner les œuvres de l'artiste et l'artiste sur scène. Mais c'est vrai que le langage va être un peu différent en fonction de chaque métier. Et pour autant, la perspective est la même. Bien sûr.
Donc, on essaye de faire vraiment avancer dans le même sens, d'avoir des plannings qui soient cohérents par rapport à ce qu'un artiste produit et délivre. Voilà, on est non seulement un conseil, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure dans les différentes missions que l'on a en tant qu'agent, mais les attachés presse, les éditeurs et notamment le manager le sont tout autant. Donc, ce sont mes interlocuteurs également au day-to-day, au quotidien. D'accord. OK. Et la grande question, c'est comment est-ce que tu découvres de nouveaux artistes? J'ai l'impression que c'est la question. Ouais, c'est la question que tout le monde attend. La grande question, comment est-ce qu'on fait pour découvrir de nouveaux artistes? Certainement un peu comme tout le monde, certainement un peu comme toi, certainement un peu comme les auditeurs. On écoute massivement, beaucoup. Quand je dis massivement, ça ne veut pas dire de manière inattentive, en tout cas pour ma part. J'attache beaucoup d'importance à écouter ce que l'on nous envoie, même si à un moment donné, on se rend compte, à l'échelle par exemple de la société Allo Floride, qu'il y a beaucoup de demandes qui nous arrivent et qu'on n'a que 24 heures dans une journée, dans lesquelles on est généralement bien occupé. Le temps d'écoute, je trouve ça dommage d'écouter une œuvre en diagonale. Ça ne rend pas hommage à l'artiste qui l'a produit. Oui. Ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on y passe du temps. Et souvent, avant de rendre une réponse, lorsque j'ai le temps, lorsque je le peux, je reviens plusieurs fois sur l'EP qui nous a été envoyé, sur la vidéo, sur voilà. Parce que la musique nous touche de manière très différente selon les moments auxquels on l'écoute. Oui, enfin, parce qu'on n'y pense pas. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Si tu te lèves avec un morceau en début de journée, ça peut te mettre la patate. Si tu écoutes le même en fin de journée, il va peut-être te casser la tête parce que tu en as plein l'esprit et du coup, ça n'ira pas. Donc, c'est vrai que je m'attache à écouter plusieurs fois les choses. Et du coup, pour répondre à ta question, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes rentrantes parce que mon métier et la société dont je fais partie... relativement reconnu, donc voilà, c'est comme ça qu'on écoute beaucoup d'artistes. On est bien sûr invité à voir des concerts de ci, de là. On essaye aussi de découvrir énormément d'artistes qui sont en support, en première partie d'artistes plus reconnus. Lorsqu'on peut, on les place. Ça nous permet aussi de les voir sur scène. Et évidemment, on assiste à beaucoup de rencontres professionnelles telles que Printemps de Bourges, telles que le MAMA, telles que les Transmusicales et autres, en France et à l'international, qui nous permettent de nous intéresser, nous faire découvrir de nouveaux noms, de nouveaux artistes. Et du coup, sans transition, comment est-ce que tu constitues ton catalogue? Quels sont les critères, s'il y a des critères? Il n'y a pas vraiment de critères. OK. Pour ma part, bien sûr, je fais partie d'une société qui aujourd'hui a essentiellement les baskets dans la musique électronique, mais pas que. On a aussi des artistes pop. Quand je dis musique électronique, ça veut dire évidemment des DJ, mais ça veut dire aussi des producteurs qui jouent live. On a bien sûr donc des artistes pop aussi, des artistes hip-hop, peut-être un peu hip-hop jazz. De plus en plus d'artistes sont très crossover dans ce qu'ils proposent, je trouve, et c'est très bien. Mais du coup, mettre une étiquette, ça devient un peu plus délicat. Plus on avance dans le temps, plus je trouve que c'est délicat. Et donc, du coup, ça éclate complètement les critères, si on doit en avoir, de choix et de repérage et donc de signature d'artistes. Le seul critère auquel je m'attache de plus en plus, c'est que ça me parle sur scène. C'est le concert. C'est le fait que ça t'impacte lorsque l'artiste a quelque chose à dire sur scène. Dans un disque, c'est figé, donc ça tient à la production, ça tient à l'écriture, ça tient à beaucoup de choses. Mais la scène, c'est vraiment un révélateur de vérité. Tu ne peux pas tricher quand tu es sur scène. C'est d'ailleurs ce qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on est énormément dans les propositions audiovisuelles. Et lorsqu'un artiste arrive sur scène face à un public, il n'y a pas d'écran en tant qu'intermédiaire. Il y a un mix son, mais tu ne peux pas avoir de tricherie, en fait. Et c'est ce que propose l'industrie du spectacle vivant. C'est quelque chose de réel. C'est une expérience réelle. C'est une expérience vivante.
Tout à fait. Ok. Comme toi, tu attaches beaucoup d'importance à la scène, en tout cas à l'artiste sur scène, et c'est ça qui va te donner le coup de cœur et la décision sans doute de travailler avec lui, son équipe, etc. Comment on fait aujourd'hui concrètement pour... alors, j'ai pas envie de dire pour développer la scène, mais en tout cas, si je mets dans la peau d'un ou d'une artiste qui travaille son projet, son EP, qui est en plein développement et qui souhaite mettre un pied sur scène, sauf que c'est pas possible, et comment est-ce qu'on fait pour attirer ton regard? Comment est-ce qu'on fait pour... comment est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Voilà le néant de ma question. Écoute, comment on attire l'attention? Aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de dispositifs locaux, régionaux, nationaux. Ça passe à travers donc des candidatures qui permettent un repérage de la part d'un jury professionnel, souvent très polyvalent dans les métiers, donc forcément complémentaires dans l'analyse, qui vont avoir de l'écoute, de la lecture d'un dossier, d'une biographie, de la manière que l'artiste a de défendre son propos. Et on s'appuie tout de même beaucoup sur ces dispositifs pour voir à quels artistes remontent. Tout à l'heure, on parlait du Printemps de Bourges, son étain qui est excellent en fait en soi, parce qu'on démarre quelque chose de très local. Ça procède par des antennes qui vont sélectionner au travers d'un processus de candidature tout un pan d'artistes régionaux. Et derrière, tu as quand même une antenne nationale qui coordonne tout ça et qui permet, après des mois de sélection avec différents jurys, d'arriver à un statut de sélection nationale et de révéler ce qu'on appelle les Inouïs du Printemps de Bourges, qui sont des artistes découvertes, donc à découvrir pour tout un milieu professionnel qui, en plus, est rassemblé au moment du Printemps de Bourges. Oui. Donc, c'est vraiment un dispositif très valable dans l'industrie du spectacle vivant, très puissant en effet, en termes de repérage et de découverte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un panel de salles qu'on appelle les scènes de musique actuelles et même plus indépendantes qui proposent des dispositifs de repérage, même à moindre échelle. Ce sont des choses auxquelles, en tant qu'agent, nous, on porte attention. Mais les artistes qui veulent en découdre et qui veulent se faire repérer doivent regarder ce qu'il y a de plus proche de chez eux, en fait. Tout de suite, accéder à des labels reconnus ou des majors ou autres, c'est prendre la chose un peu en sens inverse. Oui. Il faut déjà convaincre ta famille que ton œuvre, elle vaut le coup. Ensuite, tu convaincras... ton village, ta ville, ensuite tu convaincras ton département, ta région, ensuite tu convaincras, et voilà, il faut faire grandir ce cercle-là peu à peu, et en fait, il n'y a aucun doute quant au fait d'y arriver, si ton propos et ta musique valent le coup. Ok, donc si je lis entre les lignes, par exemple, moi toujours artiste qui est en train de développer mon projet et qui est en train de... je ne sais pas, bientôt sortir mon EP, ce qui n'est pas le cas, je ne chante pas. Tu me conseilles dans ces cas-là de plutôt m'adresser à ma région, au réseau local qui est déjà mis en place pour m'aider à développer mon projet et à être visible avant de contacter une personne comme toi, avant d'aller directement taper à la porte d'Allo Floride. Oui, absolument. Ok. Que dans la multiplicité des choses que l'on reçoit en tant qu'agent, beaucoup... je vais être un peu sévère quelque part, mais beaucoup n'ont pas encore le statut de pouvoir tourner, de pouvoir encore créer un spectacle. Il faut souvent préciser le propos artistique, il faut souvent encore se constituer un entourage. Beaucoup sont les artistes à nous contacter, mais ils sont seuls. Et c'est vrai que l'analyse que je te disais tout à l'heure, qui est celle de choisir instinctivement sur l'impact qu'on a lors d'un concert, c'est ma première analyse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise, qui soit de l'ordre du coup de cœur. Ça, c'est l'analyse instinctive et presque reptilienne qui fait que tout se déclenche. Après, en revanche, il y a une autre analyse qui est plus de l'ordre de l'expérience professionnelle, qui est justement quel est l'entourage, quel est le propos artistique, encore une fois, quelle est la vision à 3 ans, pour ne pas dire stratégie, quelle est l'ambition, quelle est la solidité du projet,
voilà, quelle force on va pouvoir dégager d'un projet artistique. Comment est-ce que nous, en tant que maillon parmi un manager, un éditeur et autres, on peut être au bon service de l'artiste et faire en sorte, encore une fois, de magnifier un spectacle, de créer, mais de le faire rayonner au mieux auprès des bons professionnels et de nouveau auprès du bon public. Est-ce qu'un concert live digital a, à tes yeux, on va dire, à peu près la même valeur, en tout cas pour découvrir des artistes et des groupes ? Parce que du coup, ça se fait de plus en plus et j'ai la sensation, en tout cas j'ai l'impression que de plus en plus de groupes d'artistes émergents, je pense par exemple à Donna Maria qui est passée sur la bouclette TV, ainsi que, enfin il y a plein d'autres artistes qui passent aussi sur cette chaîne-là, enfin il y a beaucoup de choses sur Twitch, il y a Alive aussi qui est une scène digitale, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Est-ce que ça fonctionne en tout cas dans une stratégie de live ? Bien évidemment, aujourd'hui, qu'on regarde tous à travers nos écrans, nos enceintes, nos casques et autres, les différentes propositions live qui nous sont justement offertes et proposées. Encore une fois, ça n'a pas l'impact de lorsque tu es en salle et que tu ressens l'artiste de manière plus brute. Donc, de mon point de vue... Ça n'aura jamais cette même transcription-là. Mmh. Et du coup, même si je reconnais avoir vu des choses qui m'ont ébloui, mais qui sont souvent des artistes très headliners, donc dans la proposition, ils ont pu en gros se faire plaisir de par leur statut et de par les productions qui les suivent. Mmh. Le reste m'a semblé être relativement similaire dans la proposition. D'accord. On a tous vu ce groupe qui joue même dans un lieu assez atypique, mais qui joue son live. Oui. Point. Mm-hmm. Et en fait, je trouve que l'audiovisuel peut justement amener une notion supplémentaire, qui est une notion cinématographique, qui est une notion de création. Et je trouve que malheureusement, peu d'artistes ont poussé ce bouton-là, même si... Même si j'ai des exemples en tête, hein, mais ça n'a pas, c'est pas exactement la même lecture que tu vas te faire encore une fois dans un festival ou dans une salle de concert que par l'intermédiaire d'un écran. Bien sûr. J'ai été vraiment emporté par quelques artistes. Alors pour ne pas la citer, Billie Eilish par exemple, qui a vraiment réalisé un truc. Génial, mais aussi gigantesque, où c'était aussi bon que de se regarder un excellent film. Mmh. Voilà, tous ne peuvent pas le faire. C'est des moyens, c'est une logistique, c'est du temps, c'est de l'écriture aussi, c'est l'écriture d'un spectacle. Hein. C'était une vraie proposition. Maintenant, on reste quand même sur le qui-vive quand t'as regardé toutes les propositions, enfin toutes. La plupart des propositions qui nous sont envoyées, parce que ça fait partie de nos missions et de nos métiers que d'aller repérer de nouveaux artistes, ceux qui valent le coup, etc. Il n'y a jamais rien d'instantané quant à une signature. La première lecture, c'est celle de l'instinct, de l'impact qu'on a sur scène, mais donc peut-être au travers d'un écran aussi et d'un bon système son. Mais derrière, il y a tout un tas d'analyses, comme je te le soulignais tout à l'heure, entourage, etc., qui doivent se faire. Parce que si, bien souvent, on s'attaque à aller que sur l'instinct, on est capable de signer beaucoup d'artistes. Beaucoup sont très bons, beaucoup ont des choses à dire. Mais se mettre au service de tout le monde, c'est aussi des fois ne pas travailler comme chacun le mériterait. Donc, il vaut mieux bien sélectionner ton projet et avoir l'assurance d'y passer le temps de travail qu'il faut, le temps de travail que le projet mérite, d'y passer aussi de construire la bonne stratégie et d'avoir les bons investissements au bon moment pour faire en sorte, encore une fois, de magnifier l'artiste que tu as choisi de signer. Bien sûr. Et ça me fait penser...
Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui, par exemple, organisent des release parties pour des sorties de... Alors, généralement, c'est quoi ? C'est plus album et EP, pas forcément pour un single. Est-ce que tu as des conseils, justement, pour organiser ce genre de choses ? Combien de temps on doit préparer à l'avance sa release party ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui est-ce qu'on contacte ? Est-ce que c'est l'occasion de contacter des pros ? Absolument. Pour une release party, il faut contacter des pros, en fait. OK. Il faut contacter des pros. C'est là où on est le plus... sensible à venir, surtout que bien souvent, l'album ou l'EP ou l'œuvre telle qu'elle soit qui sort est neuve. Donc, c'est toujours chouette d'écouter quelque chose qui n'a pas encore vu le monde, d'être dans les, entre guillemets, d'être dans les premiers. Donc, ouais, il faut solliciter le milieu professionnel. Souvent, j'en reviens encore là, mais le plus proche, localement. Okay. D'abord, les acteurs locaux, c'est comme dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'autres domaines. D'abord, les acteurs locaux. Et si tu as leur enthousiasme et leur engagement, c'est sur eux que tu vas pouvoir sincèrement rayonner et qu'ils vont te mettre à disposition leur réseau. Donc forcément, ça va agrandir et faire rayonner ton projet. Et si tant est que cet enthousiasme soit partagé par ce réseau, c'est ce même réseau qui va partager son réseau à lui, encore une fois, et ainsi de suite. Donc oui, une release party, c'est un moment important sur lequel il faut inviter du monde, inviter bien sûr des professionnels et proposer quelque chose sans pression aucune, mais qui soit impactant, qui soit d'une valeur, qui permette en effet de parler à un public et à ces gens-là. Il faut inviter des professionnels, mais pas que. Il faut aussi inviter du public. Mais ça, bien sûr. Je trouve que ça tombe sous le sens. Oui, tu fais bien de le préciser. Est-ce qu'une release party se passe le jour même de la sortie de l'EP ou de l'album, ou est-ce qu'il faut d'abord, je ne sais pas, envoyer l'EP, l'album au pro, avec l'invitation ? Comment ça se passe ? Bon, chacun son format là-dessus. Vraiment, ça dépend de l'engouement et de l'analyse que tu as sur la sortie de ton projet. Si tu es déjà assez suivi et que par un public, par des professionnels et autres, et que tu peux te permettre de sortir ton projet et de faire la release partie le jour J ou juste le lendemain, soit. Okay. Il faut aller de l'avant et le faire. Si l'analyse, c'est plus que il faut se constituer ta fanbase, tu es encore peu connu. C'est pas tes 1000 ou 2000 fans Facebook qui vont t'amener beaucoup de monde dans une salle de, 500 places. Donc, il faut inviter, il faut pouvoir partager cet EP ou cet album en amont et peut-être faire ça le jour de la sortie, ou alors sortir ton EP, point barre, de manière à ce qu'il soit écouté et à ce que ça puisse rayonner auprès de tout le monde, à ce que ça crée des premiers intérêts, quitte à faire une release party deux mois après. Ok, d'accord. C'était des questions absolument pas préparées, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder ce sujet-là. Voilà. Ouais, absolument, absolument. On n'en parle pas assez. Ouais, nous, on a la question forcément avec nos artistes, notamment en développement, qui sont émergents, mais il n'y a pas de format. Il n'y a pas de modèle, en fait. Mais d'ailleurs, sur quoi que ce soit, il n'y a pas de modèle qui va réussir. Ça va être vraiment que des choses de bon sens. J'ai beaucoup utilisé le mot stratégie là, dans notre échange, mais pour moi, en fait, c'est du bon sens. Oui. Et le bon sens, ça tient à « Ok, tu as une œuvre, nous, on y croit fort. Maintenant, avec cette œuvre, qu'est-ce que tu veux dire ? Qui est-ce que tu veux aller chercher ? Qu'est-ce qu'on va défendre ? C'est quoi les valeurs ? C'est quoi le propos ? Est-ce que tu es capable également de patience, ou il faut que ça soit immédiat, il faut que ça aille très vite? Et tout ce genre de questions va nous permettre d'analyser quels efforts il faut fournir et quand, et surtout si on est capable de le faire, donc si on est capable d'accompagner l'artiste au mieux. J'aimerais revenir sur ton métier. À qui est-ce que tu t'adresses au quotidien pour trouver des dates? À des programmatrices, à des programmateurs. Ok. Qui sont des personnes... clé en fait au sein d'un événement ou d'une salle qui accueille des spectacles. Entre guillemets, ils ont la direction artistique d'un lieu ou d'un événement entre les mains, et ce sont avec eux qu'on échange au quotidien
du moins qu'on échange le plus, sur tout le panel d'artistes que l'on représente. Donc, on les informe beaucoup sur les diverses actualités, les diverses sorties, les diverses choses à venir qui ne sont pas encore réalisées. Mais ce qui est important, je trouve, c'est d'arriver à faire participer nos interlocuteurs, qui sont ceux-là, au projet des artistes et faire en sorte que chacun puisse y croire de son côté d'acheteur ou de vendeur. C'est la perspective d'une nouvelle sortie ou d'un projet qui a les bonnes valeurs pour l'événement que le programme, que la programmatrice ou que le programmateur représente, qui vont faire en sorte que ça colle ou non, ou pas forcément dans l'instant. Quand on parle de festival, si c'est pas pour une année N, ça sera peut-être pour l'année N plus 1 ou N plus 2, oui. Ou N plus 3. Peu importe, en fait, je pense qu'il faut pas être pressé. Il faut simplement savoir placer l'artiste, c'est vraiment l'une des clés aussi de notre métier. Placer l'artiste là où il convient de le placer. Il faut savoir dire non également, parce que à certains moments, ça va pas forcément être le meilleur moment pour l'artiste de jouer ou le meilleur endroit. Donc, il faut savoir placer l'artiste parce que on a pour devoir quand même de réaliser des choses cohérentes. Il n'y a pas mieux que ton artiste qui sort de scène et qui te dit « Parfait, c'était là, c'était là, c'était le bon moment, c'était le bon endroit, je sens que j'ai connecté avec le public, c'était génial. » Là, tu sais que tu as réussi ton coup, quoi. Et en fait, pour tout le monde, aussi bien pour la programmatrice ou le programmateur qui t'ont accueilli, que pour toi, à ta place d'agent. C'est quand ton artiste est content. Mais oui. Et je dis ça parce qu'il arrive que l'artiste, bien qu'il ait joué, ne le soit pas totalement. D'accord. Et en fait, la perspective de réaliser nos tournées, c'est que nos équipes artistiques et nos équipes techniques aussi, bien sûr, soient tous contents d'avoir réalisé ensemble ce spectacle à ce moment-là et dans cet endroit-là et ainsi de suite, puisque généralement, dans une tournée, tu le fais... généralement quasi tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par mois. Et oui. Tu viens de dire que c'était quand même un métier de patience, où il ne fallait pas être pressé. Comment est-ce qu'on gère les vagues de non? Et comment est-ce qu'on persiste, en fait? Est-ce qu'il faut être un stressé, mais vraiment d'être de plus en plus convaincant, de ne pas lâcher le morceau, etc. Ou est-ce qu'on justement on lâche un peu prise en disant « Bon, bah, voilà, c'est pas bon pour cette fois, je reviendrai une prochaine fois avec peut-être une autre proposition. » Comment est-ce qu'on gère tout ça? On apprend à savoir gérer le non. C'est tout à fait normal, puisque de l'autre côté de la barrière, tu me le demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'on signe nos artistes, comment est-ce qu'on les repère? Il nous arrive d'exprimer des refus, donc nous aussi, on dit non. Aussi bien d'un point de vue de signature que des fois d'un point de vue placement. Mais évidemment, c'est un métier sur lequel il faut s'habituer à avoir des refus. Il faut savoir gérer le non, c'est essentiel. Il faut... J'ai parlé de patience. Ben oui, en fait, il ne faut pas être pressé à placer un artiste. Il y a des moments forts et des moments clés dans la carrière d'un artiste où, en effet, on donne un vrai coup de force pour accélérer le processus, et notamment quand tu organises une tournée. Maintenant, je pense que la patience est l'un des autres piliers de nos missions, parce que tout ce qui est immédiat peut aller au crash tout aussi immédiatement que ce que c'est arrivé. Et donc, c'est pas forcément pour servir l'artiste. Il faut quand même... En tant qu'agent, on est bien évidemment garant financier d'une création de spectacle et d'une tournée, mais on est garant de tout un tas d'éléments qui vont faire en sorte d'atteindre le bon public pour cet artiste. Donc, encore une fois, d'être présent au bon moment, au bon endroit. Et ça demande une analyse, ça demande toujours un peu de recul. Oui. Ça ne demande pas 45 secondes pour dire « Ok, j'accepte cette offre ou pas » lorsqu'on a une offre. Ça ne demande pas non plus 30 secondes pour... il faut avoir une analyse approfondie de ce que tu vas faire, non seulement sur l'offre qui t'est proposée sur le festival à un instant T,
mais de manière plus globale lorsque tu organises des tournées. Parce qu'il faut penser aussi à la suite. Oui. Il faut penser, quand tu organises une tournée, moi je pense quasiment à celle d'après, en fait. D'accord. Il faut pouvoir se laisser de la place. Quand on est là, c'est déjà bien, en fait. Ça veut dire que tu as le choix. Mais, mais pour des artistes beaucoup plus petits et beaucoup plus émergents, certes, il convient de jouer et convient de regarder tout ce qui est à faire. Faire le plus possible, je ne sais pas si cette règle est encore valable. En fait. D'accord. Pour moi, je m'attache vraiment à faire des choses qui ont de plus en plus de sens à l'artiste. Parce que, simplement, j'ai envie que l'artiste kiffe à chaque fois ce qu'il va faire. Et à sa sortie de scène, qu'il se dise, c'était génial, c'était quand est-ce bien. Qu'on recommence. Mais si on ne recommence pas le demain, ben, ce n'est pas grave. Mais on recommencera et ça aura le même impact sur lui. Il aura la même impression en sortant de scène. C'est hyper important. Et ça tient à beaucoup de choses qui sont innombrables, hein, qui peuvent être évidemment l'accueil à la salle de concert et autres. Mais, ouais, voilà, c'est pour ça que ça nécessite pas mal de patience. Et c'est pour ça que dans l'analyse approfondie dont je faisais part tout à l'heure, au-delà de l'impact lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur scène, eh ben, il faut écrire. Quelque chose que l'on appelle une stratégie à 2 ans, 3 ans. Ok. Vraiment. C'est ce que. On parle beaucoup d'artistes entrepreneurs. Oui. Aujourd'hui. En toute vérité, moi j'ai beaucoup pensé et je continue à le penser, mais avec une vision peut-être un peu plus tournée vers l'artistique depuis toujours, qu'un artiste c'est aussi un entrepreneur. C'est en soi, je dis pas que c'est un start-upper, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui aura une vision à long terme. Parce que ce qui est plaisant à ma place de booker, d'agent, c'est certes de construire des tournées, mais de pouvoir construire et suivre des carrières. C'est pas d'être là pendant 2 ou 3 ans. Oui. C'est de faire en sorte que ça dure. C'est de faire en sorte de vivre une aventure et d'avoir une vraie histoire à raconter un jour. Je te rejoins totalement et d'autant plus que ta définition de l'artiste entrepreneur me plaît beaucoup. Certains artistes se sentent pas insultés, mais pas loin de cette casquette de l'entrepreneur qu'ils ne veulent pas du tout parce qu'ils entendent tout de suite business administratif relou, tu vois. Alors que... L'artiste entrepreneur, pour moi, c'est plutôt l'artiste du faire. Alors faire, F-A-I-R-E, hein, pas F-E-R. Il vient avec sa mission, il vient avec sa vision, pardon, son projet et son message. Et c'est lui, le chef d'orchestre, et il dit, bah voilà ce que j'ai livré, voici ce que j'ai à dire, et voilà ce que j'aimerais. Maintenant, aidez-moi à mettre ça en place et construisons quelque chose ensemble. Pour moi, c'est ça l'artiste entrepreneur. Et donc, effectivement, ce n'est pas le start-upper pur et dur. C'est celui qui a envie de construire quelque chose. C'est tout à fait ça. Je partage entièrement cette vision-là. Encore une fois, depuis longtemps. Ce n'est pas galvaudé que dire qu'un artiste peut être un entrepreneur et qu'un entrepreneur peut être artiste. Il y a tout un tas de créatifs, quel que soit le domaine, qui sont entrepreneurs. Et il y a tout un tas d'entrepreneurs, si tu regardes bien, qui sont créatifs. En prenant les plus gros exemples, l'un des plus cités au monde, qui doit être Steve Jobs, avant toute chose, c'était un créatif. Donc, en soi, c'est parce qu'il y a des créations qui existent que tu peux les mener à bien. Et c'est essentiel de savoir qu'est-ce que ça va apporter. Et où est-ce que tu veux aller ? C'est ça. Si toi-même, tu n'es pas capable de ça, même à ta place d'artiste, il faut essentiellement te poser la question. Oui, on est d'accord. C'est hyper important. Oui. C'est hyper important. Et c'est là où je parlais énormément tout à l'heure de propos artistiques, parce qu'on rencontre beaucoup de monde lors des concerts ou autour d'une table, lorsqu'on fait des rendez-vous avec des artistes qui nous plaisent, etc. On veut savoir ce qu'ils ont dans le ventre, on veut savoir ce qu'ils ont à dire, on veut savoir où est-ce qu'ils veulent aller. C'est en ça où le propos artistique va faire la différence. Oui. Des artistes qui produisent de la musique super, il y en a, mais des artistes qui, avec leur musique, vont vouloir
traduire quelque chose, dire des choses et du coup aller encore plus loin et faire en sorte d'améliorer à chaque fois leurs œuvres. Quant à la base de départ de l'œuvre qui est déjà excellente, et tu peux que faire quelque chose de bien avec. Oui, oui, oui. Et l'artiste entrepreneur ne va pas dire seulement, enfin juste artiste solo. Encore une fois, et à chaque fois, je pense que tu l'as déjà entendu beaucoup, beaucoup de fois dans les épisodes du podcast, on parle de bien s'entourer. On parle de construire une équipe, d'avoir des partenaires de confiance. On parle de savoir déléguer aussi. On parle de, de collaborer avec des personnes. Et je pense que c'est une vraie clé de réussite, je ne sais pas, mais en tout cas, d'avancer un projet, de lui donner toutes ses chances. Ça, j'en suis certaine. Il faut savoir s'entourer. Mm-hmm. C'est ça, en fait, quand tu démarres et qu'il y a encore personne qui a le même enthousiasme que toi sur ton projet, et il faut trouver ces personnes-là. Oui. Alors, ça ne va pas forcément immédiatement devenir une ou un manager, ça ne va pas forcément devenir une éditrice ou un éditeur ou un booker dans l'immédiat, mais il faut savoir dans quel ordre tu vas agencer les choses. Et du coup, sur quoi tu te concentres pendant un temps donné pour aller trouver ce qui va te faire atteindre un premier objectif et te donner et servir tes perspectives qui sont à plus long terme. Donc, l'entourage est très important. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que tu exerces ton métier ? Alors, c'est plus un secret, hein, le spectacle vivant, c'est l'angoisse. Alors, comment est-ce que tu exerces ton métier ? Non, c'est le bonheur, le spectacle vivant. C'est le monde des bisounours encore ? C'est que du bonheur. Je ne sais pas si c'est le monde des bisounours, mais c'est quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de rires aussi, beaucoup de bons moments. Mm-hmm. Là, forcément, tout ça est fort amoindri et du coup, angoisse, j'irai pas jusqu'à dire là, ça appartient vraiment à chacun. Mm-hmm. Parce que quand tu me donnes des perspectives, encore une fois, même quand elles sont à long terme, t'effaces la donnée de l'angoisse. Okay. Et puis, quand tu restes focus sur la création, nous, en ce moment, pour la période que l'on vit, on appelle et on échange beaucoup avec nos artistes. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont plein d'idées à faire naître, qu'ils ont plein d'idées sous le coude. Mmh. Il faut juste être l'un des éléments qui va faire en sorte de faire naître ces idées-là. Donc, angoisse, c'est la période qui veut ça, mais après, ça appartient à chacun. Oui, ok. Donc, ça veut dire qu'actuellement, avec tes artistes, vous travaillez sur des futures créations pour pouvoir les jouer dans un moyen long terme, c'est ça ? Oui, 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 okay, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, il y avait des sorties qui devaient se présenter et qui doivent se présenter cette année, qui sont toutes remises en cause étant donné les circonstances. Mm-hmm. Donc, les stratégies, et quel que soit le moment, une stratégie est toujours modulable. Mm-hmm. Et encore plus, donc, du coup, à l'instant où on se parle, et bien sûr que l'on pense à l'avenir. Mmh. Ça, je pense que tout producteur voit devant lui, mais aujourd'hui, loin devant, parce qu'on veut que, producteur de spectacle, hein, j'entends, on veut que les créations qui vont sortir de la part de nos artistes puissent être correctement servies dans un monde réel. Oui. Donc, c'est vrai qu'on se tourne de plus en plus vers 2022 et 2023. D'accord. Et on est en mars 2021, là. Ouais. Donc, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup remué le marché, changé la donne, mais ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. C'est bien de sortir la tête du guidon de temps en temps et de se remettre les choses à plat. Mmh. Je suis d'accord. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Alors, on a déjà dit beaucoup, beaucoup de conseils, mais si tu avais un seul conseil à donner aux artistes qui nous écoutent, quel est le conseil ? S'accrocher, bien sûr. Okay. Être déterminé, mais être surtout perspicace. Ok, c'est-à-dire perspicace ? Perspicace quand là où ils mettent les pieds,
Quant aux éléments par lesquels commencer, il ne faut pas viser trop vite. Il faut vraiment se constituer un entourage. Et souvent, j'en reviens là à ce que je disais tout à l'heure, aller voir les acteurs locaux et voir en quoi ils peuvent servir le projet, si c'est un intérêt, qu'est-ce qu'ils en disent. Et savoir accepter les retours. Même en tant qu'agent, il faut savoir accepter les retours. Donc en tant qu'artiste, bien sûr aussi. Et être perspicace, pour moi, c'est ça en fait, c'est arriver à lire entre les lignes et pas prendre mal les choses, bien au contraire. C'est prendre correctement les retours que l'on a, savoir les analyser, encore une fois, s'en servir au mieux, mais sans dire de tricher et de changer totalement la donne de ton projet artistique. Oui. Il faut simplement te dire, bon, bah, c'est peut-être pas avec cette personne-là que je vais arriver à aller de l'avant, mais c'est pas bête le retour qu'il m'a donné ou qu'elle m'a donné. Et si j'allais peut-être un peu plus dans ce sens-là, peut-être que je trouverais de meilleures personnes pour m'épauler. C'est ça, être perspicace, en fait. C'est avoir une bonne connaissance de son projet et encore une fois, de là où tu souhaites aller, à court, moyen, long terme, et ça aidera à avancer et ne pas décrocher, donc être déterminé. Ok, parfait. Et quel est ton ultime conseil pour les personnes qui souhaitent devenir booker, bookeuse, agent? L'ultime conseil? Oui, le meilleur du meilleur. Ah, c'est... Et ça met la pression, le mot ultime, là, dans ta question. Bon, alors, ton meilleur conseil. On a la sensation qu'un seul mot peut tout déclencher. C'est ça, tout bascule après. Pareil, être perspicace le plus possible, tenace, encore une fois, avoir la foi dans les projets que tu défends et toujours rester concentré. C'est important. Ne pas s'éparpiller. Ok. Et puis j'ai envie d'ajouter être curieux et curieuse, évidemment. Passionné au passage, ça peut être cool. C'est un essence. C'est ouais, c'est d'une telle évidence que je ne l'avais pas dit jusque-là, mais si ce n'est pas une donnée que tu as ancrée en toi, si tu n'es ni curieuse ni curieux, ce n'est pas la peine d'aller dans ce métier-là. Il faut faire autre chose. Et être curieux, ça te permettra d'avancer. Absolument. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Waouh. Non, je n'en ai pas vraiment qui me viennent en tête là. On a fait un grand tour, je pense. Et voilà, je pense qu'on s'est donné beaucoup de matière, malgré tout. J'espère avoir donné quelques bons conseils et quelques perspectives à ceux qui se posent des questions et qui écouteront ce podcast. Oh oui, je t'assure, vraiment, cet épisode est riche d'infos et il y a beaucoup, beaucoup de très bons conseils. Non, ça s'est bien passé, moi je suis contente. Et toi, c'est bon? Oui, je suis très content, écoute, d'avoir participé et d'avoir pris du recul sur un métier que j'adore par-dessus tout. Eh bien, je suis contente alors. Si t'es content, je suis contente. Merci beaucoup Benoît pour ce temps. Et puis, ben, tu Merci reviens nous parler quand tu veux, nous donner des news, des nouveaux projets, un pivot de carrière un jour, un artiste. Voilà, t'hésites pas. Avec grand plaisir. Je continuerai à écouter surtout. Oui, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut Benoît. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.